Tout simplement, en fait, le souhait de l'association SCOPE a été un petit peu de témoigner du soutien de la population, en fait, notamment de celle que l'on soutient, du public des quartiers prioritaires, mais aussi de la jeunesse saumuroise. Donc c'était aussi de dire que la jeunesse s'intéressait plutôt de près aux événements qui ont pu se passer, et à travers ce rassemblement, témoigner en fait du soutien, que nous restons tous debout, et que c'est aussi leur vie de demain qui est concernée. Donc, à travers cette manifestation, qui se veut quand même joyeuse, en couleur, etc., témoigner le soutien aux tristes événements qu'on a connus la semaine dernière. Ça concerne tout particulièrement nos jeunes qui aussi avaient besoin de se retrouver pour donner un moment où ils avaient le sentiment de participer aussi à cette action. Et c'est surtout autour de nos jeunes et quelques Saumurois qui vont nous rejoindre que nous allons faire cette petite action ce matin. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors c'est la création d'un Peace for Paris en fait. Donc le logo symbolique en fait que l'on retrouve un petit peu partout. Avec des ballons bleu, blanc, rouge qui symboliseront du coup la République. Donc voilà, et au sein duquel on essaiera de reproduire un symbole graphique. Voilà. Donc c'est tous vos jeunes qui vont symboliser. Les jeunes et puis les sympathisants, adhérents et plus largement la population saumuroise qui est associée à l'événement.